un premier échec à 5 m72. Lui aussi a franchi 5 m80 en salle et 5 m82 en plein air. Les niveaux de performance requis pour les Jeux Olympiques de Tokyo sont de 5 m80. Et à l'image, Kudav Tsegaï et son incroyable 1500 mètres de Liévin. Peut-elle faire un deuxième record sur 800? C'est l'athlète à suivre, clairement, dans ce 800 mètres féminin. 4 tours à parcourir. Les athlètes se rabattront au couloir numéro 1 après le premier virage. Vous verrez une petite série de plots. Alors que Farah Nakarsis tentera de mener toutes ses athlètes sur les bases de 58 secondes aux 400 mètres. Et donc, aux alentours d'une minute... 56, donc bien au-delà du record du meeting de 2 minutes et 1 seconde 93. Attention départ. Elles sont prêtes et le départ vient d'être donné. Farah Nakarsis, vous voyez en haut de la courbe, en tête devant Gudaf Tsegaï, l'Éthiopienne. La favorite de la course et tout de suite, ça va très très vite devant. Et Tsegaï qui s'accroche tout de suite, hein. Il ne laisse rien passer. Et la grande foulée de Farah. Le peloton qui s'accroche comme il peut avec Noélie Yarigo qui vient de se replacer en quatrième place provisoire. Et également Hirut Meshecha, l'autre éthiopienne seulement junior. Il faudra suivre également le record d'Éthiopie des moins de 20 ans. De 2 minutes, 1 seconde et 3 centièmes. Voilà, et Tsegaï était en 28. Au passage du 200, tout à fait dans les temps du record du monde. On va être attentif. Voilà, 58 secondes, 28 centièmes pour Farah Nakarsis qui laisse maintenant Gudaf Tsegaï s'exprimer. La médaillée de bronze des championnats du monde 2019 du 1500 mètres et médaillée de bronze aux championnats du monde en salle 2016 sur la même distance. Ouais, 58-28, c'était quasiment le temps demandé pour le passage au 400. 58, mais il ne va pas falloir se reposer. Il ne faudra pas traîner. Il ne faudra pas traîner. 1 minute 28, le passage au 600. On est sur les bases de moins de 2 minutes. Oui, au moins la meilleure performance mondiale en vue à une 59-03 et le record du meeting à 2-01-93. Plus que 100 mètres. Gudaf Tsegaï. Gudaf Tsegaï pour les 50 derniers mètres, pour peut-être écrire l'histoire ici à nouveau, après le 1500 mètres de Liévin historique. Regardez le chrono, 1 seconde, 1 minute 57 secondes, 53 centièmes, meilleure performance mondiale de l'année. Et oui, et même meilleure performance pulvérisée de 1 seconde et 5 dixièmes. C'était un peu juste pour le record du monde, mais... Quel effort de Tsegaï. Et un record d'Éthiopie explosé, Luc, qui était détenu par Koutré Deloucha Doulecha. 1 minute 59 secondes et 17 centièmes. Regardez, 1 minute et demie, 1 seconde et demie quasiment. 1 minute 57 secondes, 52 centièmes. Gudaf Tsegaï, exceptionnel Gudaf Tsegaï. On se demandait si elle allait se battre contre le chrono à nouveau. Eh bien, elle a encore gagné face au chrono. Après avoir explosé le record du monde du 1500 mètres. Et derrière, un très joli temps pour Elena Candice Noun à 2.02.45, tout près de la performance requise pour Torun, qui est à 2.02. La jeune Française améliore son record et la meilleure performance française de l'hiver. Yarigo, 2.02.76, ça doit être aussi la meilleure perf de l'hiver pour cet athlète.